Voilà, on arrive au musée Lego. Alors ici, je suis dans la Lego Idea House. Je vous présente Ole Kirk Christensen, le père fondateur des Lego. C'est les premiers jouets qu'il a fait en 1932. Les yo-yo, camion de pompier, sa première machine. Alors ce lieu, normalement, est fermé au public. J'ai la chance de pouvoir le visiter en exclusivité. Merci Lego. Petit canard. Le logo de Lego sur un véhicule en bois. Les jouets des années 40, c'était ça. Il y a beaucoup de véhicules. Et là, enfin, on a la ferme avec le garage. Les bateaux. Une petite machine à coudre. Vers 1946, il investit dans une machine à faire des petites figurines en plastique avec des moules. Voilà, on peut le voir. Et ça donne ça. Les premières figurines plastiques de Lego. On va aller voir le bureau. L'ancien bureau d'Ole Christensen. Quitter la salle des jouets en bois. Là, il y a des moules. Premier moule Lego avec le logo. Old molds. Molds. Very old molds, yeah. Voilà, je suis dans la room plastique, première construction Lego en plastique, et je les ai connus ceux-là, hein, chez mes grands-parents. As you can see, they are hollow. Il n'y avait pas encore le tube. C'est les premières briques, elles étaient creuses comme ça. So we can stack them. We can also do this, but if you just want to do like that, then you have problems. So the stability is not great. Mm-hmm. Mm. And then we just need them to stick a little bit better together. And then that's what happens with the tubes. Mm. So this is the game changer for us. Yes. This is what we are really, really proud of in this company. Mm. That we come up with this stability, because suddenly now it is you and your imagination that is the limitation of what can I build. Before, it was the brick that set the limitations for what you could build. So that's the big game changer for us. And coming up with this, it takes a long time. It's a process, many years working on different solutions, eventually coming up with the tubes. We patented the solution in 1958, thus giving birth to the Lego brick. And that is what convinces us this is what we need to focus on. So from that moment onwards, or after solidifying the brick, 2 years after, in 1960, we stopped to produce wooden toys and all the other plastic toys. That's when we start to focus completely on them. C'est mes premiers Duplo. Oh, y a tellement de choses à voir. Mais c'est dommage. Bon, en même temps, je comprends que ce soit fermé au public parce qu'on peut approcher de très près les... Et 7, et ça serait trop difficile de surveiller tout le monde. Ça, c'est bien, ouais. C'est sustainable bricks. The trees are made of plastic that is derived from sugar canes. Yeah. D'accord, du sucre de canne. Yeah. Ah, c'est cool. En fait, c'est une nouvelle façon de créer du plastique. Trying to make it more sustainable. That's still in test. That's some of the things we're working on. Avec du maïs. Maybe trying to recycle, or maybe make out of corn, but that's not ready to go on market yet. D'accord. The trees are. L'équipe de caméraman avec le dinosaure. Steven Spielberg. C'est génial ça.
encore plus récent. Oh, j'adore, c'est génial. Oh, la salle Star Wars, quoi. Ouh là là. Attention. Oh là là. Ok, Christian qui va sortir là. Le premier Star Wars, le premier Dark Vador. The first Dark Vador. I can see the first Dark Vador. Do you want him standing? Yeah. Ah, je peux te dire que là, il y a du vaisseau. Ah, ils sont chouettes. Ah, celui-là, je le connais bien. X-Wing Fighter. Et là, les Falcon Millennium. Mm. Yes. Ah, puis alors, c'est des versions limitées, quoi. C'est des... des énormes Falcon Millennium. That's the new one, the old one. Ok, il y a le nouveau et l'ancien. Mm. Bon, après, faut jouer au jeu des 7 différences, mais il y en a quand même pas mal. BB-8 et le Porg. Ça, c'est vraiment les derniers 2018. Mm. Yeah. Et là, on a des... on entend Dark Vador quelque part. Yes. He's down on the floor as well. As you can see, he's here. La cantine. Ah, c'est génial. En plus, la salle est vraiment chouette. Elle est... ah, y a l'ombre de Dark Vador. Là, y a une projection. Yeah. D'accord. Ah, c'est top ça. Excellent. So let's, allez, go. Ah, je suis un peu speed, mais c'est vrai que c'est superbe. Là, il y a l'univers Friends, Ninjago, commissariat de police, les pompiers. Là, il y a des poupées un peu étranges. C'est... je sais pas ce que c'est. Il y a eu une tentative d'univers mix. J'ai pas connu. Ça, c'est chouette. Ça, c'est des... Paradisa. Yeah. Belleville. Harry Potter. Les basketteurs, figurines Star Wars, le commissariat de police, le premier robot et le Lego Boost, les jeux vidéo Star Wars. Les Brickhead. On retrouve toute la collection des minifigures des Animaux Fantastiques et Harry Potter. Et là, c'est la fin. La voiture.